Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Mythology Retold. Aujourd'hui je vais faire la mission numéro 14 qui s'appelle Isis entend mon appel, ou dans la version originale Isis entend ma prière. Khemsit a fait prisonnier la plupart des héros dans la cité d'Abydos et Amanra doit les sauver. Donc on est parti. En quoi cet endroit est-il spécial? C'est le centre du royaume d'Osiris. C'est son palais. Maintenant, je dois apporter la relique à Setna. Qu'est-ce qu'il est bien le travail graphique, je trouve. Setna est déjà notre hôte. Tout comme vous, conduisez-les en prison. Donc je rappelle, j'ai un mode avec les voix originales de la campagne. J'ai essayé une nouvelle voix, j'étais un petit peu déçu. Isis, entendez ma prière. J'ai été trahi par un serviteur de Seth. Bénissez-moi et j'aurai ma vengeance. L'Atlantéen et ses hommes ont été faits prisonniers. Vos alliés conseillent de faire diversion afin de vous infiltrer pour le sauver. Entio. Alors j'ai vu qu'il y avait une mine d'or à un moment, elle est où? Isis vous sourit, Amanra. Allez au monument voisin pour les rallier à votre cause. On va rallier une armée, comme ça on sera sûr. Ok, on a trois temps à récupérer. On va faire ça en priorité. On va débloquer l'or parce que ça va être important l'or. On a aussi le pharaon qu'on va embarquer comme ça. Amanra, c'est bon. Et on dit que là-bas, c'est quoi? Ça coûte moins cher en faveur. Ça va être très utile comme tech. On a tous les monuments, donc là on va générer une faveur d'enfoiré. C'est pour la mission. Ça c'est fait, on a une merveille là-bas, je sais pas si ça rapporte quelque chose, mais on va essayer. Avec les pseudo-cosseras là, ça va taper. Il y a un autre temple par là. Alors. Donc qu'est-ce qu'on a en unité mythique déjà? Isis nous accorde un temple. Ah, ils ont changé la couleur de... ici. In wedge. Ah, c'est violent les pseudo-bêtes là. Voilà, yes. Excellent. On les a eus. Il y a un autre temple par là, j'ai vu. Ok, on a récupéré pas mal de choses, c'est très bien. Mais c'est pas encore terminé, il y a un autre temple là-bas. Je peux pas aller à la suivante, d'accord. Donc, je crois que je vais fortifier un petit peu mes trucs, on sait jamais. Alors, quoique. Lui il demande de la nourriture. Eux ils demandent que de l'or. Bon, on va se le permettre pour le bois. On va renforcer l'armure de nos bâtiments. On n'a pas une armurerie qui traînerait dans le coin. Petite armurerie. Caserne. Camp de siège. Any UIR. Andayo. Ayo refer. On a quoi faire au niveau nourriture? Là, il y a un groupe d'hommes d'armes de Khemsit. Alors, il y a un monument, on va les chercher tout de suite. UIR. Encore un autre monument. Là, on va avoir une belle faveur.
Et si on récupère, et si on fait bien attention, voilà, qu'est-ce que Caillou. Alors là, on va commencer à faire bobo là. Il y a un deuxième temple dans le coin, mais il est où? On va aller par là avec cette armée déjà. Tayo. Enito. Are you refer? Alors non, vous allez rester où vous êtes bien où vous êtes, merci. And you I am. Scarabée, là, qu'est-ce que c'est? Une armée qui menace nos murs? Oui, Cyclope. Une armée d'Isis. Les pseudopos, là, ma vie. On va foncer sur le bastion en direct. Raser les tours. Excellent. Merci, Isis. Gaio refer, you I air. Attendez, calmez-vous là. In wedge. In a very là, le bastion Nidon, on va pouvoir s'en occuper, je pense. Allez, c'est parti. Le bastion de Migdol est assiégé. Nos défenses sont trop faibles. Que les gardes de la prison viennent aider ici. Amanra a détruit notre forteresse. Ramenez nos troupes en position défensive. C'est un carnage là avec les photobêtes là. Caillou. J'essaie de raser les tours. Ça du tout. Hein. Get it. Up. In it. Up. Get high. Yeah, up to. Excellent travail. In Yeah, Air Raptor.
Oui, on y va, avec leurs armes de siège là, mais bon. Il reste des temples, hein, j'ai l'impression. On va raser ce temple là, comme ça on sera sûr. Gerig in a genuine arc actu. Caillou actu. Alors, résistant, parce qu'ils ne font plus d'unités dans notre dos. Et là, on va repartir avec toute notre petite flotte armée et on va se remettre là en route. Je vais essayer de recruter quelques Sotokos en renfort. Excellent. Ah, j'ai pas vu ces temples là. Bon, avec le taux de faveur qu'on a là, c'est pépère. Caillou. Caillou. Ok. Donc là, on va soigner nos forces. Parfait. On a plus d'or, ok. Je vais faire un truc de mineur d'or ici. Logiquement, on craint plus rien. Donc, Amanra est bientôt soigné. Yo, Momon. Du coup, j'ai utilisé la stratégie du Rock sur la mission 12. J'ai fait mon économie tranquille pendant 5-10 minutes. Et j'ai rushé le Rock et je me suis embarqué, j'ai fait le tour. Voilà, tous les monuments c'est fait. Donc là on va avoir une faveur d'enfoiré. Je vais refaire un temple ici. Ouais aussi, c'est deux astuces hein. Kid in Bea, in Bea. Donc là, je regroupe juste mes armées. Enito, you refer. Mais après, il faut faire attention avec les pouvoirs, hein, Momon aussi. Je sais plus si. Enito. Donc, à voir quoi. Enito. Il faut quelqu'un dans la zone déjà.
Gritayo. Ayo refer. Enito. You ayo. On a perdu un sphinx dans le tas, mais c'est pas grave. Le dernier temple est pour nous. Parfait. On récupère des pseudo-cosses à gogo là. Le crocodile, c'est nous le prédateur. Hein. Voilà. L'île forte de Kemsid ne résiste pas. Nous allons progresser tranquillement. Ils ont des casernements par-ci par-là. Donc là, on est pas mal du tout. Il n'y a pas qu'il y a une armée qui garde le coin. Si je veux venir, c'est bien. Escarabée, je vais la filer, faut pas trop creuser. On va faire en sorte que l'escarabée soit soigné. Voilà, les sphinx, ça va être une forme de l'église. Parfait. Allez, 20 pseudo-cos sur une porte, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend là? Non. Amanra, votre moyen de transport pour entrer dans la prison est prêt. Ok, on va l'envoyer au port d'Abydos tout de suite. En espérant qu'on n'ait pas de mauvaise surprise sur la route. Enfin, je pense pas, mais quand même. Ok. On a de quoi faire là. Je vais faire un marché, j'ai envie. Et je vais convertir aussi mes navires, je vais les renforcer. Parce qu'on sait jamais. Donc ça, on va faire des navires de guerre lourds. Bon là, logiquement, on craint plus rien pour cette fin de mission, mais je veux juste être sûr avec ma flotte. Ça va pas traîner, hein. Vous ne m'avez pas maintenant. Comme ça, on est sûr. Ah bah voilà. Parfait. Moins de 20 minutes, c'est bon. Alors, Setna, tous les prêtres d'Osiris ont été emprisonnés.
Certains ont été abandonnés dans le désert. Mais pourquoi voulait-il tuer Osiris ? Vous ne vous en doutez pas ? On dirait que vous fuyez et tremblez à ma vue, Cyclope. Vous m'avez vaincu en Grèce. Vous vous êtes échappé des enfers et vous voilà devant moi. Vous n'avez certainement pas fait cela tout seul. Je saurai quel dieu vous soutienne maintenant. Seigneur Poséidon, veille sur tous les habitants d'Atlantide. Seigneur Poséidon ? Vous êtes plus bête que je le pensais. Voyons s'il veille sur vous en ce moment. Vous aurez moins envie de vous battre après avoir été décapité. Je m'occuperai de vous en temps voulu. Des affaires plus urgentes m'attendent à la pyramide d'Osiris. Voilà, donc c'est la fin de la mission 14. Bon, en vrai, une fois que vous avez les temples et Psotokosra à gogo, là vous les spammez et ensuite ben, vous cramez tout quoi. Et pour l'assaut du Middle, le pouvoir Eclipse, il n'y a rien de tel pour faire du dégât. J'espère que cette mission 14 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.